Salut tout le monde, c'est Nelson. Bienvenue à toutes et tous dans On Follow le Sumo. Comme je sais que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas forcément le sumo, laissez-moi donc vous expliquer les principales règles du sport national japonais. Le sumo est un sport millénaire. C'est une lutte traditionnelle qui se passe sur une arène surélevée que l'on appelle le dohyo. Sur cette arène se trouve un cercle dans lequel rentrent les deux lutteurs appelés rikishi. Et un seul des deux lutteurs doit sortir vainqueur du combat. Les rikishi ne sont vêtus que d'une large bande de tissu appelée mawashi. Ce simple habit était destiné à démontrer que les lutteurs ne portaient pas d'armes sur eux. Après un rituel d'entrée sur le dohyo, les deux lutteurs se tiennent face à face et posent leurs deux poings au sol. L'homme qui se tient debout au milieu des deux lutteurs, c'est le gyoji, un arbitre en tenue traditionnelle muni d'un éventail de bois appelé gumbai. Le gyoji est chargé d'observer que les deux lutteurs ne fassent aucune faute lors du combat. Il est secondé par les shinpan, des juges répartis tout autour du dohyo qui observent les lutteurs au combat. En sumo, le combat se déroule comme suit. Le gyoji demande aux deux lutteurs de se préparer au combat. Les deux lutteurs se mettent en position accroupie et posent leurs deux poings au sol. Les deux lutteurs se chargent l'un et l'autre et à l'impact, le gyoji dit ce qui marque le début du combat. Les lutteurs au combat sont encouragés par le gyoji qui scande pour indiquer aux lutteurs qu'ils sont encore à l'intérieur du cercle. Si le lutteur A est sorti du cercle ou si une partie de son corps touche le sol, le lutteur B est déclaré vainqueur. Et dans ce cas, le gyoji dit et il proclame le côté vainqueur en le désignant à l'aide de son gumbai. Il peut arriver qu'il y ait un mauvais départ dès le début du match. Et pour cela, si le gyoji constate que l'un des deux lutteurs n'a pas posé correctement ses deux poings au sol, ou s'il a chargé avant son adversaire, dans ce cas-là, le gyoji dira ce qui arrêtera le combat. Il peut arriver que le gyoji désigne le vainqueur mais qu'il soit contredit par les shinpan. Le gyoji et les shinpan se réunissent en comité au centre du cercle, on appelle ça le monoi. C'est une discussion d'arbitrage pour discuter de ce que chacun des arbitres a vu. Il peut arriver que ni le gyoji ni les shinpan n'arrivent à départager le vainqueur pour une raison quelconque. Dans ce cas, l'arbitrage vidéo est sollicité. Et même si avec l'arbitrage vidéo on ne trouve pas le vainqueur, les shinpan prononcent alors un tori naoshi et l'on demande aux deux lutteurs de recommencer le combat. Quelques petites spécificités sont à noter sur les tournois. Un tournoi de sumo dure 15 jours. Les combats peuvent durer 15 secondes, comme ils peuvent durer plus de 6 minutes. Dans ce cas-là, le shinpan équipé d'un chronomètre signale au gyoji d'arrêter le combat. Ce dernier marquera alors les positions des lutteurs et les autorisera à un repos de quelques minutes. En bon reflet de la société japonaise, le sumo obéit à une pyramide hiérarchique sur laquelle se trouve tout en haut le champion des champions appelé Yokozuna. En dessous, nous avons le Sanyaku, avec les grades de Ozeki, Sekiwake et Komosubi, qui sont les trois grades avant le titre suprême. Et ensuite, les grades en dessous appelés Maegashira. Il n'y a que deux divisions qui permettent aux Rikishi d'avoir un salaire, et ce sont les divisions que nous allons regarder, à savoir la seconde division appelée Juryo et la première division appelée Makuichi. Chaque lutteur dans ces divisions doivent assurer un nombre minimum de 8 victoires pour être sûr de leur montée dans le classement appelé Banzuke, qui sort deux semaines avant les grands tournois appelés Honbasho. 8 victoires vous assurera la position Kachikoshi, qui démontre que vous avez plus de victoires que de défaites. A l'inverse, si vous avez plus de défaites que de victoires, vous serez en position Makekoshi, et dans ce cas-là, vous descendrez dans le classement. Pour terminer, il existe des prix spéciaux en sumo remis pour performances exceptionnelles. Les Sancho sont attribués aux lutteurs qui ont le plus de victoires que de défaites. Ils sont classés comme suit. Le Shukuncho, prix de la performance exceptionnelle, généralement attribué à un lutteur qui remporte son combat face à un Yokozuna ou face au gagnant du tournoi. Le Jinosho, prix de la technique attribué à un lutteur ayant utilisé des techniques variées et ou rares lors du Honbasho. Le Kantosho, quant à lui, prix de la combativité, est généralement attribué à un lutteur faisant ses débuts en Makuichi ou à un lutteur nouvellement promu au Sanyaku et ayant remporté 10 victoires durant le tournoi. Voilà à peu près un résumé de ce que vous devez savoir sur comment se déroule un tournoi et un combat de sumo. Alors bienvenue à Nagoya.
Contact, contact. Et Toshitakai qui a toujours tout de suite placé les deux mains vers l'avant. Toshitakai qui a réussi, enfin malheureusement, qui n'a pas posé le pied après son adversaire. Et c'est Nabatame qui est déclaré vainqueur. Attendez, il y a Monoi. On va voir ça tout de suite. Qui a posé les mains avant. Oh la vache. Eh bien, victoire de Toshitakai. Les jurys, donc les Shinpan, ont déclaré que Toshitakai avait posé le pied après Nabatame. Et donc, victoire de Toshitakai. Nabatame, malheureusement, n'a pas réussi à gagner ce combat. Allez, deux points au sol. Contact. Contact et Myogiliu qui recule. Sur Kayo, Kayo qui revient, qui est remis au centre du cercle. Kayo qui est précipité et qui a fait basculer son adversaire hors du cercle. Belle projection hors du cercle. Et deuxième Monoi de la journée. Kayo fait voilà, basculer. Alors, est-ce que Kayo a touché le sol avant Myogiliu? Non, ça a l'air d'être à l'avantage de Kayo. Et victoire de Kayo. Un très beau kimono violet. De poussole et contact. Contact Shirokuma qui charge. Mais Tsurugisho qui déplace Shirokuma du côté droit. Tsurugisho qui contre-attaque. Contre-attaque de Shirokuma. Et finalement, Yorikiri Shirokuma no Tachi. Victoire de Shirokuma. D'une très belle manière. Il y a eu un petit peu de suspense. Et deux points au sol. Contact. Contact et Tamasho qui essaie de saisir la ceinture et finalement place sa main derrière la tête et amène au sol Daishoho Atakikomi. Victoire de Tamashoho, pardon. Et deux points au sol. Contact. Contact Onokatsu qui charge pour le moment Tohakuryu. Tohakuryu qui repousse Onokatsu. Et voilà, la main derrière la tête. Atakikomi, première victoire de Tohakuryu. En ce 9e jour, il arrive à mettre au sol le jeune Onokatsu qui n'est plus en tête. En tout cas, plus dans le peloton de tête pour le moment. Et beau retournement de situation en ce 9e jour. 6 victoires à 3 défaites pour Onokatsu. Et donc Onokatsu qui n'est toujours pas en position Kashikoshi. Et 2 points au sol. Contact. Charge de Takeru Fuji. Tokayate qui n'a rien pu faire. Victoire expéditive de Takeru Fuji en ce 2e jour de tournoi pour lui. Et il est scruté. Le champion du mois de mars. Il est scruté. S'il arrive à atteindre les 8 victoires à la fin de ce tournoi, ça serait quand même incroyable. Ah, Shulanomi. Contact. Contact saisi de la ceinture pour Shioshoma. Tentative d'amener au sol pour le moment. Revenu sur le milieu du cercle. Il charge. Il charge et on voit que Shulanomi qui bloque les bras de son adversaire. Saisi de la ceinture. Tentative de bascule vers le sol. Belle résistance pour le moment de Shioshoma qui replace ses jambes. Réavance. Tentative de faire justement chuter son adversaire. Et finalement Shulanomi qui place sa jambe et lui donne un coup de hanche pour lui faire manger le sol. Victoire de Shulanomi. Et d'une très belle manière. C'est très compliqué pour l'ancien favori du mois de juillet, Nishikigi. Mois de juillet de l'année dernière, évidemment. Contact du Shosan qui est décalé, repoussé. Nishikigi qui n'arrive pas à résister pour le moment. Saisit de la ceinture. Et gestion du cercle et première victoire pour Nishikigi. Amené au sol
de Bushozan d'une très belle manière et c'est une première victoire pour le lutteur Nishikigi. Est-ce que ça a porté ses fruits? On va le voir tout de suite. Et deux points au sol, contact et Wakatakakage qui se décale et revient côté droit, contact statique pour le moment. Kimbozan qui ne change pas de position de jambe, n'est pas déséquilibré pour le moment. C'est à celui qui va utiliser la force de l'autre. Et on voit que Wakatakakage essaie de placer petit à petit sa main pour essayer d'aller saisir la ceinture. Pour le moment, il tombe sur un bourrelet, c'est pas trop de chance. Contact statique. Le public qui applaudit et qui encourage. Et voilà, contre-attaque de Kinbozan, Wakatakakage qui fait basculer Kinbozan qui n'a pas résisté à résister. N'a pas réussi à résister. Et victoire de Wakatakakage. Avec deux points au sol et contact. Koto Shoho qui tente le tsupari. Midori Fuji qui essaie d'aller au corps à corps pour le moment. Aller saisir la ceinture main intérieure. On voit pas vraiment de là où on est. Il décale son adversaire et le repousse hors du cercle. Victoire de Midori Fuji d'une très 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 belle manière. Et deux points au sol. Contact. Abi qui a essayé d'aller saisir très très bas mais qui n'a pas réussi. Tsupari pour le moment pour essayer de déstabiliser de la part de Abi. Abi au bord du cercle. Abi déséquilibré, Abi qui se retourne, tentative de saisie de la tête et finalement Abi vainqueur par attaque Ikomi d'une très très belle manière. Magnifique combat entre Abi et Ura, vraiment magnifique, incroyable. Ura c'est incroyable, voilà. Cette manière de pouvoir se retourner, je n'arrête pas de le dire, mais à chaque tournoi, c'est toujours la même chose. Il faut comprendre un truc, c'est 80% de lutteurs qui n'arrivent pas à se retourner et qui se font avoir. Et Abi, lui, a réussi à fait partie des 20% qui arrivent à se retourner à chaque fois. Et deux points au sol et contact. Belle saisie de la ceinture, magnifique. Victoire de Oshoryu qui a fait une esquive, saisie de la ceinture, et il a tourné son adversaire et lui a montré la sortie. On voit qu'il tente un peu faire comme une guillotine, passe derrière lui, saisit et le pousse hors du cercle. Et deux points au sol. Contact, charge de Takakesho. Oh, incroyable. Victoire, quatrième victoire de Takakesho. Quatrième victoire de Takakesho face à Mitakeumi. Et Mitakeumi n'a rien pu faire. Rien du tout. Et deux points au sol. Contact et Daiesho repousse Terunofuji qui revient au centre du cercle, essaie d'aller au contact et voilà Daiesho qui arrive à éviter Terunofuji qui pour le moment essaie de résister aux impacts de Daiesho qui recule, Daiesho qui se fait décaler par Terunofuji et qui finalement va embrasser le sol. 9e victoire pour le Kozuna. Point au sol et contact et Akuho qui va tout de suite à saisir de la ceinture. Tochitaka qui lui a main extérieure sur la ceinture et finalement Akuho recule, petit coup de bassin et il attire Tochitaka au sol. Voilà, saisir de la ceinture des deux mains et là il fait lâcher la ceinture à Tochitaka, il se décale vers l'extérieur et il tire son adversaire au sol. On voit le petit gauche-droite pour pouvoir lui faire lâcher la ceinture à Tochitaka. Et ça a bien marché. Deux points au sol. Contact. Saisie de la ceinture tout de suite par Shishi. Shishi qui est au bord du cercle. Shishi qui finalement concède la victoire à Hakuyozan. Et Shishi qui n'est plus en tête. Deuxième défaite pour Shishi. Allez, deux points au sol. Contact, Nabatame
Tu vas tout de suite aller au contact, au corps à corps. Et Denumi qui repousse, repousse au niveau du visage et Nabatame qui perd l'équilibre et qui va rencontrer le sol. Nabatame qui n'a pas à démériter. Mais malheureusement, il est dans le dur, Nabatame. Ça devient compliqué. Pardon. Contact et violent impact de Daishoho. Daishoho qui décale Shirokuma. Shirokuma qui a les deux mains sur la ceinture et qui commence à avancer petit à petit sur Daishoho. Et Daishoho finalement est obligé de rendre les armes. Les armes. Putain, il faut que je prenne un café là. Deux points au sol. Contact. Asakolu qui est parti les deux mains vers l'avant. Shiden qui saisit Asakolu. Et là pour le moment c'est au corps à corps. Shiden qui donne un petit coup de gauche-droite pour essayer de faire lâcher la ceinture. Shiden qui a tenté d'aller saisir la ceinture, mais Asakolu a bougé. Asakolu bouge toujours, donc c'est compliqué pour le moment. Asakolu qui contre-attaque, essaie d'avancer sur Shiden, pardon. Avec les, voilà, il a essayé de placer une petite balayette pour le déséquilibrer. Shiden qui le soulève et qui l'amène hors du cercle. Victoire de Shiden et de la très belle manière. Contact et la tête qui tape à nouveau. Shiranumi qui repasse côté gauche. Shiranumi qui essaie de résister, revient au centre du cercle. Endo qui a les deux mains sur la ceinture, essaie d'avancer petit à petit, mais bonne résistance pour le moment de Shiranumi. Shiranumi qui a le bras saisi et passe du côté extérieur. Contact statique pour le moment. Shiranumi qui essaie d'aller à la saisie de la ceinture, ou en tout cas d'avancer. Et il s'est positionné côté, sur le côté pour éviter que Endo lui saisisse la ceinture plus facilement. C'est compliqué pour le moment de savoir comment est-ce que ça va pouvoir se terminer. On voit que Endo qui avance légèrement, peut-être pour repositionner ses jambes, pour pouvoir contre-attaquer. Là, il utilisera la force de l'autre et s'il contre-attaque, voilà, face à lui, Shiranumi s'est replacé. Et Endo en a profité. Victoire de Endo. Difficile hein, quand tu te places sur le côté pour empêcher ton adversaire de saisir la ceinture. C'est si lui contre-attaque, il peut très bien te retourner et tu te retrouves dos à lui, ça devient compliqué. La confrérie du trapèze. Contact. Contact et il va à l'impact Midori Fuji. Midori Fuji qui essaie de décaler, faire perdre l'équilibre à Wakata Kakage. Il va au corps à corps, Wakata Kakage qui s'est juste esquivé au bon moment et qui a fait que Midori Fuji s'est retrouvé dos à lui. Et encore Midori Fuji a eu le réflexe de pouvoir se retourner, mais ça n'a pas porté ses fruits malheureusement. Ushidashi. Et on voit au dernier moment Wakata Kakage qui va pouvoir se décaler et dos à lui Midori Fuji qui a juste le temps de se retourner. Et deux points au sol. Contact. Contact et Koto Shoho qui essaye d'aller au corps à corps pour le moment. Et voilà, et c'est parti. Il a réussi à saisir Tobizaru qui repousse, va à l'impact, essaie d'empêcher Koto Shoho d'aller au corps à corps. Koto Shoho, voilà, qui a chargé Tobizaru qui s'est décalé. Et victoire de Tobizaru qui a envoyé au sol Koto Shoho d'une très belle manière. Et deux points au sol. Contact. Contact et Oho qui maintient. Et voilà, magnifique. Saisie du bras. Amené hors du cercle. Bon, je pense que ça doit être Totari parce qu'il lui a chopé le bras. Mais peut-être que je me trompe. Non, Totari. Voilà, Totari. Oui, voilà, il lui a bien tiré le bras. Ce qu'il a amené hors du cercle. Eh bien, Totari. Totari Spice. J'aime bien ce jeu de mots, moi. Deux points au sol. Contact. Messé qui a tout de suite la tête qui tape. Messé qui va au corps à corps pour aller pousser. Finalement, Mitakeumi qui se décale légèrement pour pouvoir faire chuter Messé. Et victoire sur le fil de Mitakeumi. Allez, on voit l'impact, la tête qui tape. Mitakeumi qui essaie de résister à son adversaire. C'est un peu compliqué pour lui au bord du cercle. Messé qui finalement perd l'équilibre et
Pas parce que justement, Mitakeumi s'est décalé pour lui faire toucher le sol. Victoire de Mitakeumi. Et deux points au sol. Mauvais départ. Contact et Abi qui repousse Aketsu Pari. Et Abi a chuté avant Takakesho. Cinquième victoire pour Takakesho. Takakesho qui recommence à monter. Monoï. Ne nous emballons pas donc. Décision des arbitres qui est tombée avant. Est-ce que c'est Abi? Ah, c'est Takakesho qui a posé la main avant. Eh bien, Abi est vainqueur. Coup dur pour Takakesho. 4 victoires et 6 défaites. Et deux points au sol et contact. Contact avec Kirishima qui essaie de résister à l'avance de Teruno Fuji. Et Teruno Fuji qui roule sur tout le monde. 10e victoire pour lui, Kozuna. Oh, c'est incroyable. Contact. Aoyama qui est parti les deux mains vers l'avant. Aoyama qui met de la distance. Aoyama qui essaye de saisir son adversaire pour faire attaquer Komi. Nabatame qui pour le moment gère bien son cercle. Nabatame au bord du cercle. Aoyama qui attire Nabatame. Charge Nabatame. Nabatame qui se retourne. Nabatame qui se retourne à nouveau. Mais Nabatame qui perd l'équilibre. Victoire de Aoyama. Les deux points au sol. Mauvais départ. Les deux points au sol. Et deuxième mauvais départ. Contact Shirokuma qui pousse pour le moment. Belle résistance de Shishi qui a la main intérieure sur la ceinture. Shirokuma, main extérieure sur la ceinture. Première main pour le moment. Shirokuma qui va charger Shishi et qui va le pousser hors du cercle. On va voir au ralenti qu'à un moment Shishi va essayer de replacer sa main pour essayer d'aller main extérieure sur la ceinture. Et finalement il n'a pas réussi. C'est son bras. Voilà, il place son bras à l'intérieur. Essaie de en même temps replacer sa jambe pour empêcher Shirokuma d'aller avancer plus loin. Et ça n'a pas marché. Contact. Kayo qui charge donc Shimanumi. Shimanumi qui est décalé, amené au sol. Et décision des arbitres. Et bien c'est le premier Torinaoshi de ce tournoi. Donc on rejoue le combat. Allez, deux points au sol. Contact et Kayo qui va à la saisie de la ceinture. Kayo qui essaye d'avancer pour aller au corps à corps chargé. Bon, très bonne esquive de Shimanoumi. Et finalement Shimanoumi repousse Kayo. Victoire de Shimanoumi. Et cette fois c'est sans appel. Contact et Dayamami qui est repoussé pour le moment. Et finalement qui est des... Voilà, Dayamami est désigné vainqueur. Ah, Monoï à nouveau. Cette fois, on a eu quand même 3 décisions d'arbitre sur cette journée. Eh bien, deuxième Torinaoshi. Deuxième demande de rejouer le combat. Et deux points au sol. Contact et Dayamami qui essaie de repousser pour le moment Kitano, Tomokaze. Tomokaze, voilà, saisi par derrière la tête, amené au sol, attaque Ikomi. Victoire de Dayamami. Cette fois, c'est pas contestable. Contact.
contact Wakataka Kage qui va tout de suite aller à saisir la ceinture. Shioshima qui en fait autant. Shioshima qui pour le moment voilà essaie de malheureusement il a glissé et il essaie d'aller à la saisie et d'essayer de le bouger, mais on voit bien que Wakataka Kage arrivait bien à placer le petit gauche droite pour éviter de se faire traîner. Wakataka Kage en position de Kachikoshi. Une plus de victoires, plus que de défaites. Et deux points au sol. Contact. Contact. Et Oshoma qui fait passer derrière. Qui passe derrière Roga. Main extérieure sur la ceinture. Pardon. Et on voit que Roga se place sur le côté. Mais Roga, ça va être difficile de pouvoir bloquer. Mais Roga place sa jambe devant Oshoma pour l'empêcher d'aller à la charge. Oshoma qui attaque, Oshoma qui bouge, Roga au centre du cercle à présent, Roga repasse côté droit. Contact statique, le public qui applaudit. Oshoma qui va peut-être contre-attaquer, Oshoma qui essaie de placer sa main. Voilà, contre-attaque de Roga pour replacer ses bras. Roga qui essaie de projeter Oshoma. C'est chaud pour le moment. Et deux mains sur la ceinture, Oshoma qui va tenter une attaque, sûrement... Essayer de pousser frontalement son adversaire, Yorikili, par Yorikili justement. Pour le moment, voilà, pour une autre contre-attaque de Roga et de Oshoma. Et finalement, c'est Roga qui craque et chute. Eh bien, Roga, 5 victoires, 6 défaites à présent. De bon sol, les contacts. Contact avec Kotoshoho qui essaie de voilà tout parler pour repousser son adversaire, essayer de le gêner, aller au contact. Et Ichiyamamoto qui repousse correctement et résiste correctement pour le moment à Kotoshoho. Kotoshoho qui essaie d'aller au corps à corps et pour le moment essaie de le gêner. Position des jambes, bonne position des jambes pour le moment pour Ichiyamamoto qui va à la saisie de la ceinture, main intérieure sur la ceinture. Le bras droit qui est bloqué pour le moment par Kotoshoho. Alors, on pouvait observer la position des jambes de Ichiyamamoto qui est bien placé pour éviter de se faire pousser hors du cercle trop facilement. Pour une belle résistance. Maintenant à savoir, voilà, première attaque de Kotoshoho pour déplacer gauche à droite Ichiyamamoto. Et Ichiyamamoto qui finalement est amené au sol par Kotoshoho. Je pense que c'est Watada Shinage. Allez, deux points au sol. Contact et charge très très forte de Messé qui va à l'impact. Ura qui recule, Ura qui perd l'équilibre et Ura qui finalement est expulsé hors du cercle d'une très violente manière. Mais il arrive à se relever. Messé vainqueur. Quand on va à l'impact tout de suite, Messé qui fait reculer Ura. Ura qui voilà essaie d'esquiver Meisei et finalement au bord du cercle il perd légèrement l'équilibre et Meisei contre-attaque. Victoire de Meisei. Contact. Contact avec Gonoyama qui repousse très fortement Takakesho. Takakesho qui va à l'impact. Takakesho qui essaie de faire perdre l'équilibre à Gonoyama. Gonoyama qui repasse côté droit. Gonoyama qui va à l'impact à nouveau, qui perd l'équilibre et qui chute. Victoire de Takakesho. Cinquième victoire de Takakesho. Le Ozeki, l'éternel Ozeki Takakesho qui essaie de se maintenir comme il le peut. Et Gonoyama est en position Makekoshi à présent. Plus de défaites que de victoires. Contact, contacté. Abi qui va tout de suite chasser Oshoryu. Mais finalement, Oshoryu qui saisit le bras, l'amène au sol. Eh bien... À présent, Oshoryu est en position Kachikoshi. Et deux points au sol. Et contact. Contacté. Onosato qui se fait saisir là-bas. Et voilà, magnifique. Onosato qui se décale et fait chuter le Yokozuna. Et première défaite pour Teruno Fuji. Et les gens qui jettent les coussins. Ah, les gens sont heureux. Heureux de la victoire de Onosato et il jette les coussins. C'est ce qu'on fait souvent à la fin du tournoi quand le Yokozuna perd. Ou le Ozeki, hein, c'est dépendant de du rang. Mais en tout cas, quand quelqu'un de plus petit rang gagne face à un haut rang, genre de Yokozuna ou quoi, ok, c'est bah du coup, il jette
les coussins. Les gens jettent les coussins. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, Teruno Fuji, c'est sa première défaite. Il a encore, il a deux victoires d'avance sur tout le monde. Donc là, techniquement, il peut encore se permettre de perdre un combat. Et deux points au sol, contact. Et magnifique Kitano Waka! Décalage saisi de la ceinture, amené au sol. Très belle esquive avec la saisie de la ceinture derrière. Et Shiro Kuma, qui je pense n'est plus en tête à présent. Ou Atenage. Contact, contact. Shio Sakai qui s'est décalé pour aller mettre dans le vent Dayamami. Dayamami pour le moment qui arrive à contenir son adversaire. Dayamami qui perd l'équilibre, qui s'est fait attirer dans le piège de Shio Sakai. Contact, contact, Okuto Fuji qui a raté sa charge. Mais Okuto Fuji qui charge, qui se fait saisir le bras. Okuto Fuji qui finalement est attiré hors du cercle. Très très bien joué de la part d'Endo. Deuxième Okuridashi du tournoi. Saisi du bras. Passé derrière, saisi de la ceinture. Et il le pousse hors du cercle. C'est très bien réalisé de la part de Endo. Contact. Contact et Shiranomi qui pour le moment saisit le bras de... qui se fait saisir le bras et qui est repoussé. Mais finalement qui arrive à pousser Bushozan au dernier moment. Monoi. Eh bien, on décide de rejouer le combat. Torinaoshi. Allez, deux points au sol. Contact. Contact et voilà. Saisi par la tête. Attaque Ikomi. C'est allé extrêmement vite. Et deux points au sol. Contact. Contact et Wakataka Kage qui chargeait. Magnifique. Et Ichiyamamoto qui se décale. Saisi de la ceinture. Amené au sol. Mais dis donc, aujourd'hui, c'est la journée là. Uwatenage. Voilà l'impact. Ichiyamamoto qui est en difficulté. Et finalement, perte d'équilibre de la part de Wakataka Kage qui se décale. Donc Ichiyamamoto qui se décale et qui saisit la ceinture. Contact. Contact Kotosho. Kotosho qui charge. Kotosho pour le moment contré par Shodai. Shodai qui essaye de gérer le cercle et les deux qui tombent en même temps. Et finalement, le Gumbai est choisi vers Kotosho. Pardon. Monoi, oui, décision des arbitres qui est tombée encore. Kotosho a l'air d'être tombé avant. Eh bien, Torinaoshi de ce 12e jour de tournoi. Oui, bah là, oui, complètement. Après, ils ont plusieurs angles de caméra. La caméra qui aide et tout. Ouais, c'est... Torinaoshi, c'est pas par hasard. Les deux points au sol. Contact. Contact. Kotosho qui va saisir la ceinture des deux mains. Attaque sur Shodai. Shodai qui fait basculer Kotosho au sol. Kotosho qui chute cette fois-ci avant Shodai. Shodai vainqueur. Voilà, il fait basculer Kotosho côté droit et ensuite le fait chuter. Et deux points au sol. Contact. Contact. Wakamoto Haru qui est décalé. Charge de Tobizaru qui perd l'équilibre. C'était moins une pour que Tobizaru tombe avant Wakamoto Haru. On va au contact. Tobizaru qui bloque les bras de son adversaire, qui se décale pour lui faire perdre l'équilibre. Et là, à la première charge, impact. On va voir un impact. Boum. Il le repousse. Et Wakamoto Haru perd l'équilibre et Tobizaru manque de se casser la gueule. C'est que c'était vraiment moins une, quoi. Les deux points au sol. Contact. Contacté. Ochoriu qui va tout de suite à saisir de la ceinture. Bloque la jambe et projette Kotozakura au sol. Victoire de Ochoriu.
Et au contact, on voit que Ojoliu cherche la ceinture, place sa jambe et arrive à le projeter au sol. Victoire de Ojoliu. Et de point au sol, contact, contact. Et finalement, aïe aïe aïe, Takakesho, victime d'un décalage de la part de Onosato. Saisi de la ceinture et amené hors du cercle. Mais là, c'est compliqué. Là, il a plus le droit à l'erreur, Takakesho. Vendredi, samedi, dimanche, il faut absolument qu'il gagne ces 3 jours. Watanabe, il faut absolument qu'il gagne ces 3 jours. Sinon, c'est terminé. Il est redescendu. Contact. Contact et Abi qui, pour le moment, va au corps à corps. Et finalement, Teruno Fuji qui repousse Abi en toute tranquillité. Et Abi, pour le moment, pardon. Teruno Fuji, 11 victoires et une défaite. Segama. Il te pointe au sol. Contact. Décalage de Shio Sakae qui a essayé de faire bouger son adversaire pour le faire chuter. Corps à corps pour le moment, contre un statique, Shio Sakae qui essaie de bloquer le bras de gauche de son adversaire pour l'empêcher d'aller à la saisie de la ceinture totalement. Et voilà, première attaque de Akuoho, belle position, bonne position de jambe de Shio Sakae qui essaie de revenir pour contre-attaquer. Shio Sakae qui essaie d'avancer pour le moment, bon blocage, voilà, magnifique. Magnifique, Akuoho qui a juste utilisé la force de son adversaire et l'a fait basculer. Et contact, contact et Tsurugisho qui empêche pour le moment Shishi d'aller à la saisie de la ceinture. Shishi qui a failli être déséquilibré pour le moment, qui revient au centre du cercle. Et Shishi qui pousse Tsurugisho, victoire de Shishi. Contact et voilà, Henka. Voilà, belle esquive de la part de Torakuryu, troisième victoire. Attaque Ikomi, j'ai pas vu poser les deux mains, donc du coup, on va décalage. Ah oui, si, il a saisi la tête et l'a amené au sol. Et deux points au sol. Contact, et voilà, Kitanoaka saisi de la ceinture, esquive, esquive, saisi de la ceinture et amené au sol. Contact, contacté, voilà. Oshoma, oh! Oh, je l'ai pas vu venir celle-là. Attaque Ikomi. Oh, on va voir le ralenti, elle est belle. Contact. On voit donc tentative d'attaque Ikomi. Retournement de Okuto Fuji. Et deux points au sol. Contact. Et Middle Fuji. Un impact qui fait un décalage. Qui va au corps à corps maintenant. Sadanumi qui fait lâcher prise à Middle Fuji. Middle Fuji qui essaie d'aller à la saisie de la ceinture. Et voilà, bras droit qui a été bloqué. Bras gauche, pardon, qui a été bloqué. Et Yorikiri. Non, oh, les deux sont peut-être tombés au sol en même temps. Ou Watanabe. Oh. Oh, ça. Et il n'y a pas de monoï, pas de décision des arbitres. Ah, d'accord. Quand même compliqué. Hein. Deux points au sol. Et contact, contact. Ura qui a été empêché d'aller saisir très bas comme d'habitude. Ura qui essaie de mettre de la distance, qui va à l'impact. Et finalement, Ura perd l'équilibre. Et attaque Ikomi, victoire pour Kotoshoho. Et deux points au sol. Contact et première tentative d'attaque Ikomi par Tobizaru. Tobizaru qui se met à distance. Oh, oh, qui lance les Tsupari au niveau du visage. Et là, Tobizaru qui saisit la ceinture mais qui la lâche. Tobizaru qui est expulsé hors du cercle. Shidashi. Ouh, chute dans le public. Bon, les deux points au sol. Contact et impact violent. Et Atami Fuji qui bloque les bras de Meisei. Meisei qui recule. Meisei qui a la main sur la ceinture. Qui va tenter d'avancer petit à petit sur Atami Fuji. Atami Fuji qui pour le moment résiste. Atami Fuji qui est au bord du cercle et qui arrive à résister. Se décale.
Il va tenter de charger, mais c'est magnifique retournement de situation. Atami Fuji. Incroyable. Ah, oh, c'est beau. Ça, c'est beau. Et le clou du spectacle. Teruno Fuji face à Takakesho. 5 victoires à 7 défaites, Takakesho. Yokozuna Teruno Fuji, 11 victoires et une seule défaite. Et avantage Teruno Fuji dans les oppositions avec 7 victoires. Allez, 2 points au sol. Et contact, contact, Takakesho qui recule. Takakesho qui pour le moment n'a pas vraiment avancé face à Teruno Fuji qui va à l'impact. Takakesho qui est saisi par la tête, amené au sol. C'est une catastrophe pour Takakesho. Takakesho est officiellement en position Makekoshi. Takakesho n'est plus Ozeki. Je suis sans voix. Et de pot au sol. Mauvais départ. Contact. Contact, Tokayate qui a tenté de faire basculer côté gauche son adversaire. Et Tokayate qui recule. Tokayate qui finalement met un pied avant Shishi hors du cercle. Et Shishi. Shishi est à présent avec 11 victoires. Face à Kinbozan. Contact. Contact et Kinbozan qui se fait bloquer le bras. Saisie de la ceinture. Avancée de Loga pour le moment. Et Kinbozan qui essaie de faire basculer, contenir son adversaire, mais finalement voilà, il y a réussi. Kinbozan qui a failli retourner la situation. Et contre-attaque de Loga et finalement Kinbozan a malheureusement pas pu contenir Loga. Et deux pas au sol, contact et impact violent. Oho qui est saisi par la jambe. Oho qui est repoussé. Wakata Kakaye de la confrérie du trapèze. Contact. On voit que Oho au départ est un peu dépassé. Il se décale pour aller l'amener au sol. Et là, bon réflexe de Wakata Kakaye. Il saisit la jambe et repousse côté gauche et le repousse à nouveau hors du cercle. Et deux points au sol. Contact. Contacté Oshoma qui met de la distance pour le moment entre lui et Tobizaru. Tobizaru qui ne tente pas d'aller au contact, qui ne tente pas d'aller au corps à corps. Et voilà, bien joué. Belle balayette qui est passée et qui a déséquilibré Oshoma. Et Tobizaru est à présent en position Kachikoshi. Il a plus de victoires que de défaites et il est assuré de pouvoir remonter dans le classement. Après deux tournois en dents de scie, on voit au contact, on voit la mise à distance des les deux lutteurs qui se mettent à distance. Kekaishi, voilà. Mise à distance. Et là, une balayette qui part et qui déséquilibre son adversaire. Contact. Et la tête qui tape violemment. La charge de Meisei. Meisei qui est contenu pour le moment. Et Wakamoto Haru qui revient. Wakamoto Haru qui avance. Wakamoto Haru qui fait chuter son adversaire. Et Wakamoto Haru vainqueur. Il revient de loin. Wakamoto Haru. Oh, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Et on voit en grosse difficulté au départ. Même la position de jambe de Wakamoto Haru laissait penser qu'il allait se faire repousser. Et finalement, on le voit qui avance petit à petit. Et on voit Meisei dont le changement de position qui n'est pas corrigé, qui fait que il perd l'équilibre et va manger le sol. Et deux points au sol et contact. Contact à Tami Fuji
qui pour le moment contient Gonoyama. Gonoyama qui fait tourner Atami Fuji. Atami Fuji qui passe côté gauche. Atami Fuji qui résiste pour le moment. Gonoyama, très bon pousseur, qui essaye de déstabiliser son adversaire. Placer sa jambe pour essayer de le projeter. Pour le moment, ça ne marche pas. Et Atami Fuji qui a extrêmement bien résisté aux attaques de Gonoyama. Atami Fuji vainqueur. Et deux points au sol. Contact. Contact Takanosho. Takanosho qui charge. Takanosho. Takanosho expulse le Yokozuna. C'est vraiment complètement imprévisible. Waouh. J'aurais jamais pensé qu'il aurait été qu'il aurait battu le Yokozuna. Oh la vache. De bon seul contact. Contact et Oshumi qui a essayé de saisir la ceinture de Tochitakai, mais qui reste agrippé à son adversaire. Tochitakai qui commence à prendre de la distance, saisit la ceinture main extérieure pour le moment. Et justement Oshumi qui bloque le bras de Tochitakai. Tochitakai qui s'est juste déplacé mais qui a perdu l'équilibre malheureusement. Victoire de Oshumi. Libre. Contact. Contact et saisie de la ceinture de Akuoho qui fait tourner justement. Oh Shishi. Et Shishi a chuté. Eh bien Akuoho est nommé vainqueur. Ah Monoi. Monoi. Moi j'ai pensé que c'était Shishi qui était déclaré vainqueur. Et bah victoire de Akuoho. Eh bien, Shishi a perdu. Ça voudrait dire que Shirokuma a les mains libres et qu'il peut gagner le tournoi. Le clou du spectacle en Julio. Mauvais départ. Allez, les deux points au sol. Contact. Contact et Shirokuma qui essaye de bloquer sa jambe pour pouvoir projeter Tokayate. Tokayate qui, voilà, finalement offre la victoire à Shirokuma. Shirokuma est donc le vainqueur du Julio avec 12 victoires et 3 défaites. Et je crois que c'est la première victoire, le premier tournoi gagné par Shirokuma dans cette division. Avantage Wakata Kakage dans les oppositions. Et deux points au sol. Contact et force et impact très très fort. Wakata Kakage qui se fait bloquer le bras mais qui va au corps à corps et charge au Okuto Fuji pour l'expulser hors du cercle. 11e victoire. Et d'une très belle manière, Wakata Kakage eh bien, confirme son retour et remonte dans le classement. Contact. Contact et Ichiyamamoto pousse avec les Tsupari. Ichiyamamoto qui dos à son adversaire continue à pousser et finalement il expulse Oshoma. Et Ichiyamamoto et termine pardon, son tournoi en position Kachikoshi. Victoire de Ichiyamamoto. Il a plus de victoires que de défaites. Dernier spectacle j'imagine. Contact. Ura qui se fait bloquer le bras. Ura qui va au corps à corps à Takara Fuji. Commence à avancer petit à petit. Takara Fuji qui est dans une position pour empêcher Ura de charger. Ura qui tire le bras de Takara Fuji, charge et expulse Takara Fuji hors du cercle. Victoire de Ura, 6 victoires et donc 8 défaites. Et Ura qui termine malheureusement en descendant à nouveau dans le Banzuke. Mais Ura qui n'aura pas démérité et aura fait un très bon tournoi. Techniquement c'était un bon tournoi. Voilà, si on va la jouer un peu Macron en mode j'ai pas personne n'a gagné. Mais techniquement, Ura a fait un bon tournoi, malgré que voilà, là il est pas tombé, il est tombé vraiment contre des gros, des très gros lutteurs dans le haut du classement et c'est ce qui a malheureusement été plus dur pour lui.
Et deux points au sol. Contact. Contact à Tami Fuji qui se fait saisir la ceinture par la main intérieure. Sadanumi qui se décale. Sadanumi qui va vers le haut du Dohio pour le moment. Sadanumi contre un statique. Sadanumi qui essaie d'avancer sur Atami Fuji. Atami Fuji qui bascule. Sadanumi côté droit. Contre un statique pour le moment. Replacement des jambes pour Atami Fuji. Sadanumi également. Sadanumi qui s'agrippe. Main intérieure sur la ceinture. Atami Fuji qui va avec ses dernières forces expulser Sadanumi. Atami Fuji qui termine ce tournoi par un Yorikiri. Atami Fuji aussi qui, comme Ura, n'a pas eu vraiment de chance dans ce tournoi. Contact. Contact Kirishima qui se fait repousser. Kirishima pour le moment qui essaie d'avancer sur Tamawashi pour aller au contact. Tamawashi pour aller au corps à corps. Tamawashi qui se retourne sur le côté, qui est repoussé. Et finalement, Kirishima termine en position Kachikoshi. Kirishima est revenu plus fort qu'avant. Il est redescendu, il a perdu son rang Ozeki et il revient plus fort face à Tamawashi qui échoue aux portes du Kachikoshi. Et Tamawashi, le doyen, je rappelle, 39 ans, toujours en top division. Et ça, c'est pas négligeable. C'est maintenant qu'on va voir si Takanosho peut contenir un lutteur aussi fort que Onosato, un aussi beau pousseur. C'est maintenant qu'on va le savoir. Les deux points au sol. Contact. Contacté. Takanosho qui charge, repousse. Et oui, Takanosho. Takanosho a donc pour le moment virtuellement rejoint Teruno Fuji. Takanosho a réussi à expulser Onosato. Et donc virtuellement, si Teruno Fuji perd ce combat, eh bien ça voudrait dire que Takanosho, on aurait le droit à un Takanosho contre Teruno Fuji pour départager. Sol, contact, et Abi qui a failli mettre dans le vent Tobizaru pour le moment qui reste, voilà, commence à aller à la charge et fait finalement, Abi perd l'équilibre, Abi a glissé. Et deux points au sol. Contact et impact violent. Shonanumi qui saisit la ceinture. Amené au sol. Et malheureusement, c'est une défaite pour Takakesho. Takakesho qui termine malheureusement avec bien 5 victoires et 9 défaites. Les deux points au sol. Contact. Contact et Koto Sakura qui glisse petit à petit ses bras sur la ceinture de Teruno Fuji. Teruno Fuji. Koto Sakura vainqueur. Teruno Fuji est obligé de partir en playoff. Qui va gagner ce tournoi? Quel suspense. Ah oh, ça serait... Ah oh, ben voilà, les gens déjà qui jettent les coussins pour montrer leur approbation de cette victoire. Et deux points au sol et contact. Contacté. Teruno Fuji pour le moment qui essaie de résister à Takanosho. Takanosho qui charge. Takanosho qui met tout ce qu'il a. Takanosho qui est déplacé au bord du cercle. Takanosho qui essaie de résister. Et c'est une victoire pour Teruno Fuji. Le Yokozuna qui a gagné ce tournoi et qui n'était plus disponible depuis le tournoi du mois de janvier. Qu'il avait aussi gagné. Victoire de Teruno Fuji. Et évidemment, Takanosho gagne le prix de la combativité et le prix de la performance pour avoir battu le Yokozuna. Et oui, parce que je le rappelle qu'il avait battu avant-hier le Yokozuna.